J'ai oublié les changements. Salut à ceux qui arrivent. Twitch. Twitch Power. Blonde Power. J'oublie toujours ça. Ah, découverte. K-O-N-A. Voilà. Ça va être mieux. Allez, on va commencer. À titre de détective privé à Montréal. William Hamilton, un riche industriel, l'avait contacté en lien avec une banale affaire de vandalisme. Pas de quoi fouetter un homme. Pas de quoi non plus payer un détective privé pour traverser des heures de mauvaise route. Mais c'est toujours pareil. Le client paye, car l'exécute. Alors, les touches. Je crois qu'elles étaient bonnes. Hein. Ouais, c'est bon. Le son, on va peut-être le modifier. Je sais pas si vous entendez bien, là. On va mettre à 20. Vous me redirez. Bah raison de plus pour pour le découvrir. Ce n'est pas caramel. Je découvre aussi hein. Enfin, j'ai avancé jusqu'au pont. Et à propos, j'ai arrêté. Donc je devais découvrir avec vous là. Ils avaient rendez-vous au magasin général. Ça appartenait à son client. En fait, tout le village appartenait à William Hamilton. Quand la route est mauvaise, boueuse ou enneigée, c'est la coutume dans ce coin de pays d'en restreindre l'accès. C'était aussi la coutume de ne pas trop y prendre garde et de passer quand même. Donc voilà.
une brochure à lire. Une pub. Hey. La carte. On peut la prendre? Je ne pense pas. On a l'air d'être tout en haut ou tout en bas? Peu importe. Depuis un moment qu'un employé surgisse pour relever la barrière. Comme c'était étrange d'ailleurs, une route comme celle-là, ainsi obstruée. Il fallait maintenant que Carl rentre sur le trottoir. Hamilton l'attendait au magasin général. Alors, premier objectif, aller au magasin général. Ça va, on m'entend bien, Patate, sur le stream ou pas? Le son aussi, du jeu, parce que... s'était porté acquéreur de divers commerces locaux et avait mis en branle la réouverture d'une mine, éveillant hurlements de colère et menaces dans la population. Jeu un peu faible. Avec Carl, plusieurs personnes avaient de grands motifs de s'en prendre. On va s'arrêter et on va l'augmenter alors. Jusqu'ici. Parce que vu qu'il cause pas mal, ce serait dommage de louper ça alors que c'est un jeu où la narration elle est assez importante. J'augmente à 25, tu me diras si c'est bon. Voilà, c'est fait, tu me diras. Il y a comme un petit problème. Devait sortir de là. Le froid et la douleur appelaient des soins de toute urgence. Ça me donne froid la neige comme ça là. Oulala. On a eu un accident, je pense qu'on n'aura plus de voiture. Là, maintenant, on va être tout le temps à pied. Le chauffeur avait déguerpi. Il fallait tout de même fouiller, ne rien laisser au hasard. Carl avait besoin d'assistance. C'était une petite boîte verrouillée sur laquelle se lisait, gravé finement, WH. Carl songea à la prendre. Il ne fallait rien laisser au hasard. Voilà un beau désespoir fait de poésie nordique. Mais Carl n'était pas très sensible aux phrases pleines de guirlandes. Bon, il y a l'air de plus rien y avoir. Carl continuait. Sa mère serait vraiment fière de lui. Plus la refermer, c'est pas grave. En pleine campagne, il restait à espérer qu'un garage abandonné ou une fermette borde la route. Sa survie en dépendait. Bon bah voilà, on va commencer l'aventure. Hein. Là, il va falloir survivre et enquêter en même temps.
pourquoi Carl sentait déjà plus ses orteils. Je peux plus avancer. Pourquoi je peux pas avancer? Carl tiendrait pas plus longtemps. Le froid le cuisait. Il fallait qu'il se réchauffe. Faut que je rentre dans la voiture donc. Et il est là-bas? Non, faut que je rentre dans la voiture. On va essayer de rentrer dans la voiture, se réchauffer un peu. À peine sorti, faut déjà que je rentre. Il doit soigner ses blessures, d'accord. Allumer feu, allumette. Équipement. Je trouve un peu mal foutu le menu. Pellicule Polaroid, super. Ah bah voilà. C'est ça. Il n'y a pas de DLC patate encore. Oh, une petite maison. Une petite maison. On va rentrer, se réchauffer. Voilà. Mais ferme-toi. Mais ferme-toi la porte. Elle peut pas. Oh, des voilà chaînes. Il ne pouvait l'espérer. Carl Faubert s'en sortirait une nouvelle fois. En route, pour de plus grandes aventures. Ouais, ouais, attends, avant de dire en route, on va peut-être finir comme on sait par... Ah ! Par visiter un peu, non ? Ouais, ça c'est un foyer, on peut mettre du feu. On va vite monter là-haut. On va voir s'il y a des trucs. Non, y'a rien. Waouh, ça souffle. On va peut-être allumer un feu, non? Se réchauffer un peu, non? Je sais pas. Bon. Bah, on va direct à la voiture. Ah! Ah! Bon petit feu! On va remonter la chaleur quand ça va être tout en haut. On va retourner à la voiture. Ouais, ça devrait être bon. Et à ce moment où tu sors, il dit vous ne pouvez pas sortir, il y a une tempête. Ça c'est bon ça. Stop, reculer. On voit que dalle. C'est bien foutu quand même hein. Je vois que dalle. Oui, tu vois quelque chose, patate? Étendu sur quelques hectares de forêt vierge, de caribou bramin, de neige éternelle et de lacs inviolés, la région de Manastan n'était pas faite pour les touristes. Elle abritait depuis des millénaires, disait-on, des populations cri, et depuis l'ère industrielle, des mines de métaux. Le magasin n'était plus très loin. Carl commençait à craindre la panne d'essence. Ouais, c'est pas le moment là de tomber en panne d'essence. Hein. Qu'est-ce qu'il me fait le jeu? Pourquoi il charge? On a peut-être changé de map.
Excusez-moi, monsieur, je veux de l'essence, mais j'ai pas de thunes. Chaque semaine, le laitier devait passer remplir les bouteilles. À sentir le lait frais, il était bel et bien passé cette semaine. T'as quelqu'un? Oh! Karl n'eut aucun mal à reconnaître son employeur. Il avait été assassiné. Il ne fallait pas être détective pour le constater. Mais il fallait être détective pour noter que le tueur se tenait tout près. Que le coup avait été porté sans que la victime ne se défende. Karl sentit alors un frisson le traverser. Une peur effroyable l'envahir. Si Hamilton était mort, qui allait donc payer? Petite musique qui va bien, hein? Non, tu veux pas examiner? Bon. Concert d'origine inconnue. On mange d'étranges choses dans le Nord, ça rassure, hein? Tu peux noter les bouts de verre, là? Les photos qui sont importantes à garder, ils disent gardez la photo. Celle où ce n'est pas important, jetez-la. Ça nous donne un peu la solution, non? Instruction pour ouvrir la caisse enregistreuse. Composez le prix. Sale. Hey. Tour. La manivelle. Écoute. Marche pas. Excellent. Examiner au magasin général, on trouve de tout, même un bureau de poste. Ok. Information très importante. On va aller voir derrière le bar ce qui se passe. Pourquoi ce bruit? Une explosion avait soufflé dehors. Je voulais piquer la thune. Je peux pas piquer la thune. Non, on peut que fermer. Ah si, on peut prendre la clé. Ok. Qu'est-ce que c'est que cette lettre? Comme le savait Karl, Gilles Lachance tenait le magasin général. Ça faisait de lui un employé de Hamilton. Un employé fort mécontent, comme Karl pouvait en juger. Ça fonctionne pas. Karl se souvint, non sans courage, de ses cours de survie dans la nature. Les loups jamais n'approchent les lieux habités. À moins que ce ne soit les ours. Les ours? J'espère qu'il n'y a pas d'ours là. Il y a une deuxième petite maison, à mon avis, à visiter. Quoi, ça? Karl était habitué aux choses étranges. Mais une glace comme ça, ou un iceberg sorti du sol, il n'en avait jamais vu avant. Des empreintes? Karl avançait de surprise en surprise. Était-ce le défaut de l'appareil, ou une piste à suivre? Mmh.
Je sais pas si c'est une bonne idée qu'on suive les traces. On va aller voir d'abord dans la maison là-bas ce qui se passe, non? La petite. Ah, si on peut y rentrer. Tu vas mourir. J'ai pas la clé. Bah, on va suivre les traces. Un deuxième. Le magasin et ses alentours n'avaient pas livré tous leurs secrets, pressentait Carl. Il n'aimait pas passer à côté de quelque chose. Ouais, donc ça veut dire qu'il faut qu'on retourne au magasin, c'est ça? Oh! C'est effacer les traces? Ouais, j'espère que je me plante pas dans le sens. Salut le plongeur, bienvenue sur le stream. Bah... Oh! 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 Qu'est-ce que tu disais, patate? Allez, cours, 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 cours! Voilà, là. C'est mort. C'est mort. Ils vont courir plus vite que moi. Non, c'est bon? Ça a l'air d'être bon. Qu'est-ce que je pourrais avoir oublié comme détail? Ils me disent... Ah! Ah! L'arme du crime. Qu'est-ce que ça fait là? Se demanda Carl. Hamilton devait vouloir garder bien secrètement une information pour ainsi poster une clé. Ça ne lui a pas porté chance. Tout s'éclairait. Le pauvre Hamilton avait été interrompu dans sa dénonciation. Il avait cru bon de tout verrouiller, d'envoyer la clé à son correspondant et de mettre la boîte à la poste plus tard. Habile, mais pas assez. Voilà où ça mène les gens ordinaires de jouer aux espions. Ah. Ouais, j'ai eu chaud, ouais. Bon, du coup, on a la clé pour aller voir la maison qui est à côté. Ah putain, c'est pas la clé là, mais non. Bon. Allons nous réchauffer un petit peu. Et... Oh, le téléphone. Alors on pouvait rien faire dessus. La tempête frappait tout sans distinction. Carl constata sans surprise la ligne hors service. Il faut peut-être brancher l'électricité là-haut. Ce bouton-là, on peut le bouger. On va pas l'éteindre, on va le mettre sur chaîne. Parce que ça fait gêne. Voir le registre, on dirait bien que tout le village vivait grâce au crédit du magasin général. Carl vit là plusieurs bonnes gens qu'il voudrait bien visiter. On
On peut pas. Ouais, bah, y a rien d'autre, je pense, hein. Y a plus rien d'autre. Et là, peut-être? Examiner, non. On l'a fait tout à l'heure. Le garage et le magasin ne pouvaient être alimentés en électricité au même moment. La note livrait là un sage conseil. Alors, garage, on allume. Non, c'est on. Et off ici. Donc le garage qui est... Oh, you touch my tra-la-la. My ding-ding-dong. Merci pour ton follow, le plongeur. On va se réchauffer un peu là. D'accueil. Je sais pas ce qu'ils veulent dire par le garage. Tu as la clé. Bah non, j'ai pas la clé justement. Attends, on va regarder quand même. Les garages. Mais il est où le garage? Je le vois pas. Ah, peut-être là, ouais. Non. Ouais, si. Merci. Ça sent le propre par ici, ok. Faudrait qu'on allume la lampe. Je sais pas comment l'activer, la lampe. On va essayer via le menu. Voilà. Ah. Ah, c'est vachement mieux, hein. Alors. Bon. Les produits. Une pince. Coffre vide. Ok, on peut pas ouvrir. La barre à clous était coincée sous le chariot. Même en mettant tous ses muscles à profit, Carl ne pouvait espérer la tirer de là. Et puis il n'y a pas de treuil pour monter la voiture, donc c'est mort. C'est cela. Il n'y a pas l'électricité là, si? Ouais, il n'y a pas l'électricité. Il faut que j'aille mettre l'électricité avant. On va faire l'autre côté, hein. Garage en store off. Garage. Il n'y a pas d'électricité. Bon.
Je sais pas si j'ai bien fait pour le courant. On va retourner voir. Mode blonde on. Là c'est désactivé, là c'est génératrice. Ok. Hop, c'est bien éteint. Hein. Le garage et le magasin ne pouvaient être alimentés en électricité au même moment. La note livrait là un sage conseil. Le garage et le magasin ne pouvaient être alimentés en électricité au même moment. La note livrait là un sage conseil. Le garage et le magasin ne pouvaient être alimentés en électricité au même moment. Ben ça peut pas monter plus haut. La note livrait là un sage conseil. Le garage et le magasin ne pouvaient être alimentés en électricité au même moment. La note livrait là un sage conseil. Sur la porte du conteneur? Dans le garage ou dans la maison? Après, c'est peut-être la lampe qui est grillée, hein. Ouais, il n'y a pas l'air d'y avoir de courant. Ou alors c'est moi qui fais mal sur le panneau, ce qui est fort probable. Donc, la porte du compteur. Ah, le compteur. Bah, sur la porte, c'est les instructions qui donnent. Regarde. Le garage et le magasin ne pouvaient être alimentés en électricité au même moment. La note livrait là un sage conseil. Le magasin et le garage ne peuvent pas être avoir du courant en même temps. Donc du coup, j'ai désactivé le magasin pour activer le garage. La note livrait là. Normalement, là, dans le magasin, il n'y a plus de courant. Ça m'a l'air d'être le cas. Patate. On bloque là parce qu'ils disent que les deux, le magasin et le garage, ne peuvent pas être actifs en même temps. Ne pouvait être alimenté en électricité au même moment. La note livrait là un sage conseil. Donc j'ai mis on pour le garage, off pour le magasin. Et l'électricité est bien ligne principale. Regarde le gros boîtier jaune à l'entrée, c'est le générateur. Bah, on peut rien faire dessus. J'avais regardé tout à l'heure. Ah! Oh, bien vu! Mais lol! Bien vu! J'avais pas vu le coup du fil. Donc, du coup, là, ça devrait aller tout de suite mieux, quoi. Bon, on va aller voir. Pas de courant. Bon, bah, on y retourne. Hein. Ah, attends, faut peut-être l'allumer maintenant. Bah oui, quelle conne. Ça va tout de suite mieux. Hein.
Mais non. Il faut que tu tournes le bouton super générateur, pas sur la ligne. D'accord. Ben oui, je suis bête. Comme c'est le générateur qui prend le relais, il faut aussi activer la barre. C'est noté. Bon, ça devrait le faire là maintenant. Je crois qu'elle a allumé la lampe. Nice, merci pour ton aide. Bon. La barre à clous était coincée sous le chariot. Même en mettant tous ses muscles à profit, Karl ne pouvait espérer la tirer de là. Magasin de porcelaine. Oh, j'avais pas vu ça tout à l'heure. Ah bah voilà. Nickel. Karl pouvait enfin mettre la main sur la barre à clous, ce dont il ne pouvait vraiment se priver. On a toujours besoin d'une barre à clous. Salut Madge, comment tu vas? Tu prends le pistolet, tu mets une balle dans le chargeur, tu tires une balle dans la tête, c'est tout. T'as gagné. Mais lol. Bah. Plus de stream alors. Voilà. Je te fais y a plus de stream là. C'est la première fois hein, que j'y joue à ce jeu. Donc je découvre. Je découvre en même temps que vous en fait là. Donc, il a parlé de clous avec la barre. Comment tu vas, monsieur Match? Ouais, bah t'as été plus perspicace que moi. En tout cas, merci pour ton aide. Après, c'est pas évident parce qu'on sait pas forcément ce qu'il faut faire. Bon, maintenant qu'on a tout récupéré dans le magasin, dans le garage, on peut peut-être éclairer le magasin, voir si on a loupé des trucs. C'est un dépliant. Ils ont j'avais pas l'air vu fiers, ça. ces chasseurs-là, d'avoir tué une bête au beau pelage. Avec des hommes comme ceux-là, se dit Karl, il n'y aurait plus un loup sur le continent d'ici 10 ans. Un saut comme celui-là, c'était irréel. Le gars sur la motoneige ferait pas vieux os avec des acrobaties pareilles. C'est cool, j'avais loupé des trucs, hein. L'endroit est en bordel. Hein. C'est tout? Ça correspond à quoi ces touches? Il veut monter. Ça pour du vin. C'est facile de passer à côté de quelque chose dans ce jeu. Il a l'air d'avoir beaucoup d'éléments. Oui,
Oui, c'est exactement ça en fait. Là, je pense que j'ai fait le tour de tout. J'ai activé ça, je sais pas à quoi ça correspond. Je crois que c'est la pompe, hein, c'est ça? Bah, donc là, du coup, on peut mettre de l'essence. Et repartir donc. Carl sut tout de suite où trouver ce furieux Gilles Lachance. Une bonne enquête devait assurément commencer par là. Donc, on va essayer de trouver ce Gilles Lachance. Je sais même pas où elle est la route. Et là. Le magasin et ses alentours n'avaient plus de secret pour Carl. Le fouilleur avait fouillé. Oula, fais pas confiance, ce pont. Je peux pas descendre. Ah, c'est juste... Cul-de-sac. Lâchez mon pommeau. Panneau. Les gens dans le coin protégeaient leur bout de rue comme un chien défend sa borne fontaine. Ah ouais? Ah bah voilà, le garage la motte. À quoi sert une voiture sans moteur? Ouais. On aurait dit que le mécanicien avait une bien drôle de manière de réparer les autos. Ouais, hein, c'est chaud quand même hein, de voir. Hein. Tout est blanc comme ça. Une tondeuse. Endroit parfait pour tondre sa pelouse. Oh. Il doit bien y avoir quelque part un modèle pour reconstruire ce bolide-là. Ouais, j'avoue, ça serait bien pour la neige. Ce serait mieux que la voiture en tous les cas.
Bon, vous le trouvez comment, vous, le jeu, sinon? Pour une première découverte, impression? On dirait que le locataire de la place attendait un téléphone important. Il l'attendrait longtemps. Carl avait noté l'absence évidente de ligne téléphonique dans le coin. On dirait bien que le lait était classé. Du plus vert au plus blanc. Du plus caillé au plus frais. Bah, c'est dégueulasse ce qu'il y a dedans. Ouais, hein. Il se l'a joué tout seul, hein. Ouais, c'est sûr que, comme dit Monsieur Match, c'est vrai que c'est facile de passer à côté des trucs que tu dois faire. Hamilton, je ne serai plus votre chien. Carl, un beau détective, traînait toujours sur lui son journal. C'est là qu'il notait les pensées. Qui ponctuait ses enquêtes. Non, il en veut pas de la photo. Et à Tammy Peck, même histoire. De grands déserts propices aux petites folies. Re. Re. Ça marche. Je reviens. Okay. Je découvre aussi avec vous, hein, parce que c'est la première fois que j'y joue. Hein. Bon, par contre, je vais devoir couper le live là et je reprendrai soit tout à l'heure, soit on verra. Soit on continuera sur Kona ou soit vous voulez aller sur un autre jeu, c'est vous qui me direz. De toute façon, je vais sauvegarder là. Je sais pas si on peut sauvegarder. J'espère que oui. Ça m'embêterait bien pour le coup. Mais je crois que ça sauvegarde automatiquement. Ouais, je crois que ça sauvegarde automatiquement. Donc, je vais couper le jeu là. Je vous remercie d'être venu. Je remercie pour le follow. Et je restream tout à l'heure après 18h30, je pense. Je fais des gros bisous et je vous dis à tout à l'heure. Et merci d'avoir suivi.